Il était une fois, une tragique histoire d'amour, celle de Marguerite d'Autriche et de Philibert de Savoie, que la mort a trop tôt séparés. De cette tragédie est né au XVIe siècle, le monastère royal de Brou, chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant, une église et trois cloîtres qui abritent aujourd'hui un musée d'art. Une princesse maudite? Marguerite d'Autriche, princesse que le destin n'a pas épargnée. Petite fille de Charles le Téméraire et fille de l'empereur Maximilien d'Autriche, elle a 3 ans lorsqu'elle est mariée au dauphin de France, le futur Charles VIII, puis répudiée à l'âge de 11 ans, au profit d'Anne de Bretagne. À 17 ans, elle part pour l'Espagne pour devenir l'épouse de Don Juan de Castille, qui décédera après 6 mois de vie commune. 2 ans plus tard, c'est Philibert le Beau qui sera choisi parmi les nombreux nouveaux prétendants, et le couple vivra quelques années de grand bonheur. Malheureusement, Philibert décède à l'âge de 24 ans, des suites d'un refroidissement contracté lors d'une partie de chasse. La princesse est inconsolable et entame un deuil douloureux. L'idée de la construction de Brou fait alors son chemin, il sera le symbole de son amour défunt et la promesse de le retrouver dans une vie éternelle. Il n'aura fallu que 26 ans pour construire ce magnifique chef-d'œuvre, ce qui est exceptionnel à cette époque. L'église de Brou, un mausolée, hymne à l'amour. Et c'est à Loïs van Bogem que Marguerite d'Autriche va confier la réalisation de l'église, pour abriter sa dépouille, ainsi que celle de son défunt mari, et de sa belle-mère. Quant aux tuiles vernies du toit de l'église, elles sont un doux rappel aux origines bourguignonnes, de Marguerite d'Autriche. Autre élément remarquable à Brou, le monastère, édifié de 1506 à 1512, pour les quelques moines augustins, chargés de prier pour les personnes enterrées à Brou, qui comporte 3 cloîtres. Chacun répondait à une fonction particulière, le premier était un lieu de transition entre le monde extérieur et la communauté des moines. Il aurait abrité les appartements de Marguerite d'Autriche, qui avait prévu de passer le reste de sa vie à Brou. Le second remplissait la fonction de lieu de médiation et de promenade, et le troisième répondait aux besoins pratiques de la vie monastique.
troisième cloître s'appelle le cloître de la ménagerie. C'est le cloître dans lequel s'organisait en fait la vie quotidienne des moines. Autour de nous, nous avons donc les espaces de vie. Il y avait l'accès à la cuisine, au chauffoir. La présence du puits au centre nous permet de comprendre qu'ils allaient très régulièrement tirer de l'eau pour faire la lessive, préparer les repas. Donc vraiment toute une vie quotidienne qui s'organisait chaque jour ici. Le monastère abrite également le musée d'art de la ville de Bourg-en-Bresse, qui présente un ensemble varié d'œuvres d'art et d'art décoratif du 15e au 20e siècle. Des expositions permanentes sont régulièrement complétées par des expositions temporaires.
Construite de 1513 à 1532, l'église de Brou mélange d'habillements de style, une nef volontairement sobre, qui tranche avec la splendeur du chœur, le tout subtilement scindé par un jubé, un des rares subsistants en France, et de décorations flamboyantes. Le chœur n'est que richesse, stalle finement taillée, gigantesque vitraux colorés, moulures ciselées, mélampées, et M, autour de Marguerite et de la devise de Marguerite d'Autriche, fortune infortune fortune. Sans oublier les trois tombeaux, avec gisant et transit pour Marguerite d'Autriche et Philibert de Savoie, de trois styles différents.
les amis du monastère royal de Brou participent à la vie culturelle de Bourg-en-Bresse et contribuent au rayonnement du monastère, à l'enrichissement des collections et à la restauration du patrimoine.